Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et également pour un nouveau walkthrough puisqu'on se retrouve pour le premier épisode d'Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 3 même on va dire en anglais. Donc AC3 qu'on va commencer dès aujourd'hui puisqu'on a déjà fini Révélation. J'hésitais entre AC3 Libération et AC3 et ça s'est fait pour AC3 parce que quelqu'un m'a dit que c'était plus logique de faire ça et c'est vrai. Bon. Alors, j'ai pas encore lancé la partie, on se retrouve directement sur le menu d'AC3. On va recréer une nouvelle partie dès que ça va lancer. Parce que bon, j'hésitais à lancer la partie. Enfin, à faire, vous savez, à créer un nouveau fichier, etc. Je préfère faire ça en live, donc nous on va faire le solo. Alors, il y a le DLC, la tyrannie du roi Washington qui se dirige en 3 épisodes. Mais ça, on les fera à la fin du jeu, donc ça c'est pas pour tout de suite. Nous on va aller dans le solo, le multijoueur bien entendu on n'ira pas, et on va faire lancer une nouvelle partie. On va mettre, pour pas me tromper, je vais mettre juste Shadow parce que bon généralement je me trompe, donc bon je remets juste Shadow et d'habitude les gens parlent de fin du monde, on les enferme ou l'on se moque d'eux, parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux, peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition, il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité, celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis, les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires, et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois, car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres, qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps, mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant, une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené, et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié, armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden, et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Donc, un première petite cinématique, je profite de cette petite pause pour vous parler un peu. Donc bon, là, comme chaque début de walkthrough ou même de début de jeu vidéo, ça va être beaucoup cinématique et beaucoup de blabla didacticiel. Encore un autre ou pas du tout.
nous y voilà. Allons-y. Bon, je vais sûrement parler, ils vont parler et je vais sûrement parler en même temps, donc je suis désolé. Mais bon, sinon ça va pas être évident. Je peux pas... Non, je peux pas encore courir. Donc bon, comme chaque début d'Assassin's Creed, à part le 1... Oui, le 1, il y en a pas, mais sinon les autres, nous avons le droit à un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Dans les épisodes précédents. Dans le terrier, sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Hop, c'est reparti. L'avantage par contre comparé... ah pas mince, ça recommence déjà. Ah non, je croyais qu'il y avait à nouveau une cinématique. L'avantage à je sais plus quel opus, je crois que c'était Brotherhood. Oui, c'est Brotherhood. On n'a pas besoin de chercher le code pour ouvrir la fameuse porte à la fin. Ah voilà, juste la porte d'Eden suffit. La pomme d'Eden, pardon. Je crois que cette fois on y est. Hop là, c'est pas du tout. Je me rappelle plus trop qu'on descendait comme ça. Mais on va continuer. Et voilà. Et on a perdu notre lumière, mais bon, c'est pas grave. On va quand même continuer comme ça. Par contre, c'est extrêmement sombre, donc bon, on va voir. Sœur ? Et c'est reparti. Desmond ? Tu nous entends ? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas, moi. Vous assurez que j'allais bien ? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, je... Non, non, c'est bon. J'ai compris.
Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est Junon. C'est elle qui me parle. D'accord, Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Bon, voilà, cette fois, on refait le petit didacticiel. En fait, Desmond est tombé dans les pommes, mais connecté à l'Animus. Histoire de encore rester en vie. C'est pour ça qu'il savait ce qui allait passer. Donc là, ça nous permet aussi de revoir les gestes qui ont été remodifiés pour AC3. Attendez, c'est bon, normalement, voilà. Donc les gestes ont été rechangés comparé aux autres puces, ce qui est pas dégueulasse. Et d'ailleurs, ce qui ont été encore modifiés pour AC United, je suis vraiment pressé de tester ça en jeu parce que, bah, tout simplement je veux voir la tronche que ça aura. D'ailleurs je sais pas vraiment si je pourrais faire une, enfin je peux pas enregistrer de gameplay sur Xbox One ou Play 4, donc faut je me renseigne pour pouvoir le faire. Je vais voir s'il faut que je me rajette un appareil, parce que bon, moi j'ai un vieil HD PVR Gaming Edition qui à l'époque coûtait cher, mais bon voilà, c'est comme tout, ça évolue, ça s'améliore, etc. Donc bon, je vais en racheter un autre. S'il faut que j'en rajoute un autre, parce que ça m'empête de pas pouvoir vous enregistrer de gameplay sur Next Gen. Simplement, bah, par exemple, quand je vais être au, comment dire, au workgroup d'AC United, bah, on va être un peu bloqué. Donc bon, je vais voir ça, je vais me renseigner de ce qui serait utile. Alors, moi, en plus, ça va me permettre de me remettre les touches dans la tête, parce que bon, c'est vrai que vous le voyez peut-être pas forcément, mais les touches, ça c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est bon. Pour vous, vous voyez peut-être pas, mais les touches en fait sont plus les mêmes que les autres bus. Oula, ne maintenez que RT enfoncé pour la course libre. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, mais non, mais ça m'aide pas non plus pour. Voilà. Non. Retourne-toi. Ok, ça va m'énerver. D'accord, voilà. Donc qu'est-ce que je disais, oui, donc faut que je me renseigne là-dessus, parce que j'aimerais bien vous enregistrer du gameplay de Next Gen après. Et ah oui, voilà, ce que je disais, vous voyez peut-être pas, mais en fait les touches ont été modifiées par rapport à tous les opus avant AC3. C'est peut-être plus facile, oui, ça va être plus facile, parce qu'avant on maintenait plusieurs touches. Maintenant, en gros, on n'a plus qu'à maintenir une touche et ça court tout seul. Et mince, je vais faire que de me rater. Alors attendez, que je retrouve comment on fasse. Et voilà. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi des fois je vais être trop rapide, donc bon, ça le fait pas forcément. Et normalement devrait arriver bientôt un nouvel objectif. Là vous voyez qu'en fait c'est en train de se construire, puisque l'Animus va être en contact avec un autre ADN. Et ce n'est pas encore celui de Connor. Vous allez être étonné. C'est Etam. Et ça, je vais vous laisser vous le découvrir après. Donc là, on va remodéliser une nouvelle époque, un nouvel assassin, voilà, tout va être nouveau à partir de maintenant. Et pour ce qui est du parti présent, ça, on va y revenir de temps en temps, mais moins qu'avant peut-être. On peut toujours sortir de l'Animus. Mais comment vous dire, ça sera moins. N'oubliez pas votre invitation. Ça va pas être pareil. On aura encore des missions dans le présent, mais voilà, je laisserai voir ça en temps voulu. Pour l'instant, voilà, on va s'avancer avec notre nouveau personnage, pardon, qui est Ethan. Alors, je sais plus trop si ça va commencer tout de suite ou pas. Je sais plus s'il va y avoir une cinématique. Je ne crois pas. Lancer mission. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Voilà. Ah oui, une nouvelle chose aussi qui peut plaire à certaines personnes. Personnellement, moi je m'en fous. Mais les cinématiques sont passables plus facilement. Bon, c'est pas. Personnellement, moi, un jeu, que ce soit Assassin's Creed ou autre, personnellement, pour moi, c'est important, les cinématiques. Donc voilà, mais bon. On va essayer de embêter tout le monde juste pour aller nous asseoir. Parce que nous sommes des gros fumiers. Et si j'ai envie de rester là, alors,
Tu vois mon gros arrière-train? Pardon. On continue. Voilà, là je me mets là. Je trouve plus ma place. Bonsoir, Etam. Reginald? Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue? Une fois. Mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurai pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu? La petite vision d'Egg, comme toujours. Voilà. Il est dans l'une des loges là. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. Sir, Black Maul had sent word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. Pardon, pardon, pardon. Non, en fait, je reste devant toi. Non, toi, tu t'assois, par contre, s'il te plaît, hein. Tu... Allez, respecte un peu. On peut pas passer, non, d'accord. Bon, c'est pas grave, on va passer là. Donc, on va, vous avez bien compris, assassiner la scène qui est en face. Par contre, pourquoi j'arrive pas à maintenant? Maintenez RT enfoncé et ouais, mais je sais pas pourquoi ça l'a pas voulu. Bon, c'est pas grave. On va passer comme ça à la One Again. Personne nous voit. On est tranquille. Là, par contre, je sais plus s'il y a du monde. Alors, par contre, mon écran est extrêmement noir. Je regarde sur l'ordi aussi, mais non, c'est bon. Moi, personnellement, je vois même pas Etam. Là, je vois juste quelqu'un qui se déplace dans l'ombre. Oh, bande de coquins. Rrr, profitez. Rrr, grand fou. Et plus de paye une petite jeune, t'as bien raison. Ensuite, ça va être par où? Là-haut, on continue. Le manteau, j'adore, c'est que le manteau doit peser hyper lourd, mais c'est pas grave. Voilà. On est tranquille. Là, franchement, pour se faire repérer, faut à moins de lâcher. Mais je vais pas le faire. Non, non, je vous vais venir à dire, bah vas-y, fais-le. Non, non, je le ferai pas. On va faire ça comme il faut. Si on sera dès le début du walkthrough, on a l'air un peu de con. Ouh, j'ai cru que j'allais sauter dans le vide. Mais non, vous avez cru aussi. Ah oui, alors nouvelle capacité, on peut crocheter les serrures. Alors en fait, on prend le joystick gauche, on cherche un point qui va vibrer, voilà par exemple, et ensuite on cherche avec le joystick droit un autre coup qui vibre, et après on appuie plein de fois sur RT, et normalement c'est bon. Alors des fois c'est facile, des fois c'est plus dur. Voilà. Alors, ensuite, on est reparti. Youp là. Waouh, 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 waouh. C'est rien. C'est rien. On redescend par là. Nos stress. C'était normal. Et on recourt par ici. Une petite échelle. Bah là, normalement. Oui, voilà. Pourquoi je cherche compliqué? Hop. Hop là. Ça fout un bordel monstre, j'imagine, en bas. Le gars va dire, mais qu'est-ce qui se passe avec les accessoires? Mais non, c'est rien, Michel. Et Jackie. Alors, oula, par contre, je me gourre dans les touches, là. Attendez que je revoie comme il faut, voilà. Parce que j'étais en train de descendre, mais c'était pas du tout le bon endroit. Voilà. Etam, tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que... j'en suis navré. Moi aussi.
Et voilà, on sort normal. Tout se passe bien. Dans le meilleur des mondes. Donc notre premier assassinat, on va dire. Et là, bien entendu, on se fait repérer puisque les demoiselles n'allaient pas réagir. Le gamin, je pense que lui, il est vraiment fermé. Voilà, par contre, les dames, elles, non. Donc nous, on va sortir directement par là. L'autre, il s'est fait choper parce qu'il croyait que c'était moi. Enfin, il croyait que c'était le mec qui a tué l'autre. Mais non, en fait, c'était moi, je suis passé tranquillement. Nous, on marche à travers la foule. On va se barrer, on n'a rien à se faire ici. De toute façon, on peut pas courir. Hein. Si vous me dites, voilà, pourquoi tu cours pas, je ne peux simplement pas courir. Et de toute façon, si on courait, ça serait trop flagrant, quelqu'un qui court juste après un meurtre. Là, de toute façon, voilà, la pièce s'est arrêtée puisque bah, ce n'est pas personne et c'est un peu normal que ça foute un peu le bordel. Là, ça va être le gros zouave ici. Comme vous voyez, tout le monde a peur, ce qui est logique. Donc ça commence, enfin, j'allais dire fort, oui et non, mais voilà, on commence, bon, on se met tout de suite dans le bain. Certains vont être étonnés de pas voir Connor, enfin, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, etc., bon, savent que c'est normal. Mais d'autres vont être étonnés de se dire, bah, c'est bizarre, c'est pas le personnage qui est sur la pochette. C'est tout à fait normal, vous allez comprendre ça au fil de l'histoire, pourquoi on contrôle lui. Vous allez être choqués de certains rebondissements aussi, peut-être, par rapport à certaines choses, ce qui est normal. Mais c'est pas trop mal. Personnellement, bon, AC3 était pas mal descendu. Je le trouve pas hyper mauvais, mais je ne trouve pas non plus hyper excellent. Je trouve, voilà, ça va. Et comment est-il opéra ? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui, ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera ? Peut-être un savoir. Peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle. Ah, monsieur Harrison. Messieurs. Qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Séquence 1, mortelle performance terminée. Donc je pense que d'ailleurs on va pas se quitter dans très longtemps. Puisque bon voilà, c'était le temps de lancer. Étonnamment, j'ai eu peur que le premier épisode ait du mal à se lancer. Notamment bah voilà, vu qu'à chaque fois il y a pas mal de cinématiques, pas mal de blabla, le temps de nous remettre en chemin et tout. Donc je croyais que ça allait être plus rarement que ça. Mais ça va. Par contre, les premières séquences de AC3 vont être rarement à mort. Notamment celle-ci. L'air
du large me fera du bien. Eh bien, les amis, je crois que d'ailleurs, on va se quitter pour ce premier épisode assez court. Oui, c'est vrai, d'habitude, je fais 30-35 minutes. Mais c'est pour, on va dire, commencer doucement la série, prendre nos marques, etc. Vaut mieux commencer tout doucement. Donc j'espère quand même que ce premier épisode, ce début de jeu vous aura quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains épisodes ou voir ou re-revoir les anciens walkthroughs d'AC Révélation, AC2, AC Brotherhood, AC1. Enfin voilà, les premiers walkthroughs ou même mes autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime si cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de dire quelque chose par rapport à la série, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. En attendant, moi je vous dis, geekez bien, c'était Shadow Nightmare. À la prochaine.